On va dans ta chambre, petit. Est-ce que tu veux nous suivre? T'as entendu? Ouais. Ça dit oui? Clairement, là-bas. Oh, fou. Merci. Suis-nous, s'il te plaît. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, on voudrait vous souhaiter une bonne année, Alex et moi, que vous reconnaissez à côté. Alors ce soir, pour les plus anciens de la chaîne, ils doivent reconnaître cette porte d'entrée. Et on a décidé ce soir de revenir sur un lieu qui nous est très cher, Alex et moi. Et moi, j'y suis retourné régulièrement, en fait. C'est la maison du poltergeist. Pour les plus anciens de la chaîne, ils doivent se rappeler de ce qui s'est passé dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Voilà le truc de malade. La porte. Je sais pas si vous l'avez vu, elle vient de claquer à l'instant devant ma gueule. J'entends marcher derrière moi. Putain. Il y avait des choses que je n'avais pas réglées dans cette maison. Il y avait un enfant, un homme et peut-être une femme aussi. Et ce soir, on va essayer de régler ça. On va essayer de rentrer en contact avec l'entité, savoir si elle est encore ici. Si l'enfant encore vit dans cette maison, si l'entité démoniaque ou l'entité humaine qui est là, du père, est toujours là, et s'il y a toujours ces phénomènes dans cette maison. Donc Alex va m'accompagner aussi, va tenir la caméra. Des fois, il va faire aussi certaines expériences par rapport pour entrer en contact avec l'entité. On va voir ça. Ce soir, on est équipé de deux Ghost Box, une à scan linéaire et une à non-scan linéaire que vous connaissez, celle que je fabrique. Et on a un mêlemètre, le fameux mêlemètre que vous connaissez tous, que je mets sur le côté là. Voilà. On l'a fait deux fois ensemble ici, ouais. On a eu des beaux phénomènes. Ouais. Et ça nous tient à cœur à tous les deux. Et ce soir, on était partis pour aller dans un autre lieu. Et Alex et moi, on s'est dit pourquoi pas refaire la maison du poltergeist pour voir si l'entité de l'enfant est toujours là, si on peut l'aider, si l'entité du père est toujours là, si c'est du démoniaque ou pas. Et si la maman, parce que, entre guillemets, il y aurait peut-être la mère qui est coincée aussi dans cette maison, voir s'il y a tous ces phénomènes qui s'y passent encore, ou si l'entité est vraiment partie et s'est libérée de cette maison. Ok, on va revenir sur la scène parce qu'il se passe quelque chose de curieux. Je vous explique la scène pour que vous puissiez comprendre le PVE qu'on entend en arrière. La caméra est posée sur la voiture d'Alex parce que je suis venu avec la voiture d'Alex. On est tous les deux, la caméra nous filme, et sur le coup on n'entend rien, et à la réécoute j'entends comme une respiration. Je vous la fais écouter, et dites-moi ce que vous en pensez. Si l'entité du père est toujours là, si c'est du démoniaque ou pas, et si la maman, parce que, entre guillemets, il y aurait peut-être la mère qui est coincée aussi dans cette maison, voir s'il y a tous ces phénomènes qui s'y passent encore, ou si l'entité est vraiment partie et s'est libérée de cette maison. Parce que j'aurais dû aider cette entité il y a déjà
3 ans, non ? C'est ouais, ça. 3 ans, hein. Ouais. J'aurais dû déjà aider cette entité. Écoutez, je vous montre quelques extraits qui s'est passé dans la maison du poltergeist. Ça c'est pas moi. Ici. Hein. Ça a sonné, c'était pas moi. Mon nom est David. Vous me connaissez ? Et à côté de moi, c'est Alex. Vous le connaissez pas ? Mais il vient en paix pour essayer de dialoguer avec vous. Ma première question serait, avez-vous besoin d'aide ? Est-ce qu'on peut vous aider ? Vous pouvez nous répondre par le biais de cette boîte qui se trouve en train de vous dire. Pas le bienvenu. C'est pas le bienvenu. Nous sommes pas les bienvenus. Et donc, je vous ai mis quelques extraits, mais c'est passé beaucoup plus de choses dans cette maison. Et comme je vous ai dit, ça nous tenait à cœur et on va commencer cette année 2022 essayer de voir si on peut libérer cette entité, si l'entité est déjà libérée peut-être d'elle-même. Je sais pas, on va bien voir, on va rentrer dans la maison. Allez, c'est parti, action. Allez, suivez-moi. Ça s'est pas mal dégradé. La poutre commence à s'affaisser ici. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas revenu ici, Alex ? Oh, bien 3 ans. 3 ans, ouais. On a le papier peint qui s'est... Ouais, elle doit prendre l'eau, la maison. Là, tu te rappelles, on avait eu des phénomènes. T'as entendu ? Des phénomènes, non ? C'est le vent, ça ? Je sais pas du tout. Là, tu te rappelles, on avait eu des phénomènes. T'as entendu ? Des phénomènes, non ? C'est le vent, ça ? Je sais pas du tout. Ok, vous entendez bien ? Moi, j'entends la voix d'un enfant. La voix d'un enfant qui couvre notre voix. Comme s'il voulait se manifester et montrer qu'il était là. Ma femme, Angélique, était à côté de moi quand je faisais les analyses. Les analyses de PVE, ce premier PVE, je lui ai fait écouter. Curieusement, ça lui a fait penser à un chaton, un petit chat. Mais la suite de cette enquête va prouver tout à fait le contraire. Regardez. Là, tu te rappelles, on avait eu des phénomènes. T'as entendu ? Des phénomènes, non ? C'est le vent, ça ? Je sais pas du tout. On réécoutera l'analyse. Ouais. Là, c'est le bruit de ton manteau, du sac. Manteau, ouais. Mais. Là, tu te rappelles qu'on avait eu des phénomènes ici ? Oh non, c'était pas comme ça avant, si ? C'était un peu cassé, mais moins cassé que ça. Après, on les voyait beaucoup le pod, c'était énervé, je te rappelle. C'est dommage que j'ai pas pris le pod, mais j'ai un pod Melmètre, on essaiera avec le pod Melmètre. Donc là, je suis équipé du Melmètre qui va m'aider à mesurer l'électromagnétisme dans la maison. Qui va mesurer la température, les baisses soudaines de température. Je sais pas si tu arrives à le voir à la caméra. Non, pas trop. T'as pas entendu un bruit jusqu'à... Je crois même avoir entendu une voix. Qui va mesurer la température, les baisses soudaines de température. Je sais pas si tu arrives à le voir à la caméra. Non, pas trop. T'as pas entendu un bruit jusqu'à... Je crois même avoir entendu une voix. Ah, j'ai entendu comme un soufflement. Donc cet appareil va m'aider à mesurer l'électromagnétisme. Actuellement, il est à 0,0, c'est ça ? Ouais. Et
Et comme vous savez, les entités se nourrissent d'électromagnétisme. Et donc, si on doit être en contact d'une entité, elle devrait faire grimper le taux d'électromagnétisme. Et la température devrait baisser soudainement. Là, on est à 11. On est à 12. Il était à 11,8, on est monté à 12. Là, rien d'impressionnant. Et je vais mettre une sonde, un détecteur de mouvement. Vous connaissez tous le fameux pod, c'est un peu le même principe. Voilà. Si une entité s'approche de cette antenne, ça va la faire sonner, et puis on la posera un moment quand on essaiera de rentrer en contact. Alors, je viens d'entendre un soufflement où... Je crois que j'ai entendu encore ce soufflement. Pas un soufflement, comment dire, un gémissement. On va se diriger dans la chambre de l'enfant, cette fameuse chambre que je vous avais fait visiter la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est là que le pod s'était déclenché, non ? Ça, c'est pas moi. Ici, ça a sonné, c'était pas moi. Alors, il faut savoir, je l'ai fait plusieurs fois et je l'ai fait tout seul aussi. Et il me semble que le pod s'était déclenché de l'autre côté. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de toutes les vidéos que j'ai faites sur... la plupart des vidéos que j'ai faites sur la maison du poltergeist. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? C'est David. Je suis avec Alex. Vous vous rappelez de moi ? Est-ce que vous vous rappelez de moi ? Faites un bruit si vous vous rappelez de moi. Alors, la sonde électromagnétique, elle ne bouge pas. On a 0.0 pour l'instant. On a toujours les 12 degrés. Je vois que ça s'est un peu dégradé ici. Donc, vous vous rendez compte, on est dans la chambre de l'enfant, là. Vous voyez, c'était Maya l'abeille qui était dessus. Ouais, c'était Maya l'abeille, c'était la chambre de l'enfant, en fait. Ce fameux enfant qu'on entendait dans les autres épisodes, qu'on entendait ces fameux gémissements. Tu l'as entendu, là ? J'ai entendu, oui. On entend les gémissements. Encore ? Ouais. Ok. Au moment où je dis on entend ces fameux gémissements, ça répond oui, derrière, clairement. Des PVE de classe A qui, à mon sens, me feraient penser à la voix de l'enfant qui nous répond en disant oui. Réécoutez. On entendait ces fameux gémissements. Tu l'as entendu, là ? J'ai entendu, oui. On entend les gémissements. Encore ? Bruit de pas. Dans la pièce du fond, là-bas. Bruit de pas. Est-ce que tu peux taper sur une porte si c'est toi ? Est-ce que c'est toi, petit enfant ? Tu te rappelles de moi ? David ? Tu te rappelles d'Alex aussi ? On a toujours 0.0 en électromagnétisme, ça bouge pas. De toute façon, je vous le dirai dès que ça bouge et j'essaierai de vous le montrer à la caméra. Est-ce que c'est toi qu'on vient d'entendre gémir ? J'ai l'impression que ça marche. C'est sur le papier pas. C'est trop chelou, quoi. C'est quoi ce bruit ? Je marche avec toi. T'entends ? Oui. J'ai l'impression que ça marche. Ouais, là-bas. C'est sur le papier peint. C'est trop chelou, quoi. Est-ce que tu peux faire un bruit sur une porte, s'il te plaît, ou sur un mur ? Tiens, ça me va.
Fais un bruit, s'il te plaît. Manifeste-toi. Si t'as besoin d'aide, manifeste-toi, s'il te plaît. Viens, approche-toi de nous. Monsieur, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes là? J'ai l'impression d'entendre du bruit dans la chambre du fond, non? Monsieur, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes là? J'ai l'impression d'entendre du bruit dans la chambre du fond, non? Enfin, dans la pièce du fond, mais je pense que c'était la chambre des adultes là-bas, la chambre des parents. Ok. On va aller de l'autre côté et on va peut-être faire une session de Ghost Box. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parti. Allez, je te laisse reculer. Comme si ça marchait là-dessus, là. Ouais, ça faisait... Ouais, tout à fait, c'est ça. Ça faisait genre, tu vois... Ça marche dessus? Je sais pas comment expliquer, quoi. Hein? Ça marche dessus, là. Tu vois? C'est ça qu'on entendait. Ouais, mais beaucoup plus faible. Mais on entendait ça, ouais. J'ai l'impression que ça marche. Ouais, là-bas. C'est sur le papier peint. C'est trop chelou, quoi. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, je suis avec toi. T'entends? Oui. La caméra est nette, non? L'image? Oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux faire un bruit, s'il te plaît, si t'es là? L'électromagnétisme ne bouge pas du tout et on est toujours à 12 degrés. Allez, on va chercher une des Ghost Box et on va attaquer sur une des Ghost Box qu'on a avec nous. Ok, là on se retrouve pour une session Ghost Box. On va tester une des Ghost Box que j'ai là sur moi et on va essayer de rentrer en contact avec une entité de la maison. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rentre en contact avec vous par le biais d'une boîte comme une radio? Vous allez pouvoir parler avec nous dans la radio. Allez-y, répondez-moi s'il vous plaît. Faites un bruit, par exemple. Juste un bruit. T'as entendu quoi? Bah, tu l'as vu la porte bouger l'autre fois? Ouais. Et là, l'armoire, c'est comme si elle bougeait la porte. Mmh. Et là, il n'y a pas assez de courant d'air. Oh non. Ah non, la porte est loin, forcément. De toute façon, ça aura capté à la caméra. Avec le micro 5.1 que j'ai, c'est. Alors, tout à l'heure, on a coupé la caméra et au même mètre, on a eu 0.3. Malheureusement, la caméra a été coupée. Et là, t'as entendu là? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? On entend quelqu'un. Alex a été voir s'il n'y a personne dehors. Tu veux que je prenne la caméra? Là, Alex. T'as entendu? C'est un chien qui a fait le bruit. Mais je sais pas, tout à l'heure, je suis dit, quand on a arrivé, j'étais, il y a un chien. Normalement, non.
Ok. Sur le coup, nous pensons entendre un chien. Alex entend quelques grognements par-ci, par-là, en pensant que c'est un chien. Et au moment où il sort, j'entends cette espèce de grognement. Pour moi, ce n'est pas du tout un chien à la réécoute. Ça me fait curieusement penser à du démoniaque. Réécoutez bien. Là, Alex. T'as entendu ? Bah, c'est un chien qui a fait le bruit. Mais je sais pas, tout à l'heure, j'ai dit quand on est arrivé, j'ai dit, il y a un chien. Il n'y a pas de chien, tu vois. Normalement, non. Je sens une présence, toi. Ok. Donc on reprend. On a eu 0.3 sur la cheminée. Donc à la réécoute, on verra ce qu'on a entendu. Je pense que le son sera beaucoup plus amplifié. Et comme vous le voyez, je travaille les PVE et donc vous avez un meilleur rendu. Donc on verra ça. Donc on a posé le mètre sur la cheminée, il est passé à 0.3. À partir de 0.3, ça commence à être curieux. De 0 à 0.3, ça peut être un phénomène naturel, mais si c'est récurrent, ça peut être un phénomène paranormal. Et quand ça commence déjà à passer le 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, etc., c'est que c'est un phénomène paranormal dans une maison où il n'y a pas d'électromagnétisme, hein, on est d'accord, où il n'y a pas de Wi-Fi, où il n'y a pas de micro-ondes qui tournent, ou des choses comme ça. Voilà, donc là on a posé le même mètre et on a eu un 0.2, donc on va voir comment ça se passe. Là, on a 0.0 et on est toujours à 12 degrés. On a entendu quelques phénomènes. On va allumer la Ghost Box et on va essayer de rentrer en contact avec une entité s'il y a. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Vous pouvez parler par le biais de la Ghost Box qui se trouve là. La radio. Allez-y, communiquez avec nous. Il détecte quelque chose, tu vois? Quand il s'est bloqué, là, il s'est bloqué, ça détecte. On n'entend rien. Venez parler avec nous, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose. Alors vous commencez à connaître le principe de mes ghost box, c'est tout à fait normal qu'on n'entende rien. Elle captera un son, elle s'arrêtera sur le son, elle repartira. Par exemple ceci. Allez-y, approchez-vous. Purgez l'énergie de la ghost box pour communiquer avec nous. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. T'entends pas?
Parlez dans la petite boîte qui se trouve là, s'il vous plaît. C'est comme une radio. Communiquez avec nous. Ok, vous n'avez rien entendu? Tendez bien l'oreille au morceau que je vais vous remettre. Alex et moi, nous sommes en train de faire une session de Ghost Box. Et à l'arrière de la Ghost Box, on entend comme un enfant se plaindre. Cet enfant serait pas ce fameux enfant de la maison? Réécoutez bien. Parlez dans la petite boîte qui se trouve là, s'il vous plaît. C'est comme une radio. Communiquez avec nous. T'entends des bruits de pas? C'est chelou. C'est des bruits de pas ou ça tape? Je sais pas trop. On va aller dans la chambre de l'enfant faire une session de Ghost Box, on va voir ce que ça donne. Et après on passera sur un scan linéaire avec un plus gros ampli. Alors, je sais pas si vous les entendrez. Et on verra l'analyse, mais j'ai l'impression, Alex et moi, qu'on entend comme des bruits de pas ou des cognements, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est bizarre ce qu'on entend là-bas. Ouais. Des fois, c'est vers un port d'entrée. Alors, on a entendu comme des gémissements tout à l'heure. Des voix. Dans la chambre, ouais, des voix. On verra ce que ça dans l'analyse. Et là, de toute façon, on va se diriger dans la chambre de l'enfant pour faire la session de Ghost Box. Qu'est-ce que t'en penses? On prend le pod ou pas? Ou on le laisse là, le même maître qui fait le pod? Moi, je l'aurais laissé là. Parce que toi, tu penses quoi? Que peut-être l'entité est timide et que derrière, elle peut se manifester, c'est ça? Et donc, on entend pas sonner. Ouais. C'est pas bête. Oui, on entend du bruit, enfin, soit des bruits pas ou des contre le mur derrière nous. Ouais. C'est quoi, ces chaussures? Ouais, je crois que c'est mes chaussures. Ah, je suis pas sûr. Je crois que le bruit est mes chaussures. Des fois, ça peut paraître. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'autre aussi ou pas? On reviendra dans cette pièce. On apprendra après parce qu'on fera peut-être une session dans la chambre de l'enfant avec l'autre, dans la chambre des parents, qui se trouve là, et on va voir. On va dans ta chambre, petit. Est-ce que tu veux nous suivre? T'as entendu? Ouais. Ça dit oui? Clairement, là-bas. Ah, oh, fou. Merci, suis-nous, s'il te plaît. On va dans ta chambre, petit. Est-ce que tu veux nous suivre? T'as entendu? Ouais. Ça dit oui? Clairement, là-bas. Ah, oh, fou. Merci, suis-nous, s'il te plaît. On est dans ta chambre. Est-ce que tu es avec nous, s'il te plaît? On va essayer de faire un premier jeu avec toi. Est-ce que tu te rappelles des boîtes que je ramène et que tu peux parler dedans? Fais un bruit si tu t'en rappelles. Il y a eu un bruit de fait? Ouais. La caméra l'aura capté, c'est cool. Donc, je soupçonne que c'est l'enfant qui répond. Eh ben, j'ai encore une style de boîte comme ça où tu vas pouvoir parler avec nous dans la boîte. Tu vas essayer de parler à travers la boîte comme tu le faisais. Donc, dans ces Ghost Box-là que je fabrique, les Ghost 24 Box,
J'équipe souvent d'un voltmètre. Le voltmètre va m'aider à savoir si une entité est proche de moi et est en train de purger l'énergie. Puisque comme je vous l'ai expliqué souvent, pourquoi on se sert par exemple d'un mètre ou d'un K2? Parce que l'énergie va purger l'énergie environnante. Elle va purger l'énergie de vos batteries, elle va purger l'énergie de vous-même, elle va purger l'énergie d'une source électrique. J'ai entendu quelque chose avant. Et donc je me tais parce qu'on a entendu le bruit en même temps. Et donc, moi j'ai branché un voltmètre pour voir si l'entité va puiser l'énergie de la Ghost Box pour communiquer avec nous. Là je suis à 8.4, c'est une pile 9 volts. Et là elle est à 8.4, si d'un seul coup l'énergie baisse d'un seul coup et remonte, baisse d'un seul coup, ça veut dire qu'une entité est en train de purger l'énergie, en fait, se charger pour pouvoir communiquer beaucoup mieux avec nous. Allez, c'est parti. Allez, viens jouer avec nous, s'il te plaît. Alors, tu as plusieurs solutions dans le jeu. Tu as vu, j'ai mis une petite boîte là-bas. Tu peux t'approcher de la petite boîte et la faire sonner en touchant l'antenne, la même antenne que celle-ci. T'as vu ce qui s'est passé quand j'ai dit ça? Tu peux toucher l'antenne de l'autre côté, ça la fera sonner la boîte. Tu peux jouer comme ça avec nous ou tu peux venir parler dans la petite boîte qui est ici, à travers la radio. Vas-y. Approche. On t'a entendu nous parler. Viens. C'est ça, j'arrive pas à savoir. T'as entendu? J'ai entendu une voix. Je sais pas si ça vient de la Ghost Box ou de l'autre côté, à côté de moi. C'est ça, j'arrive pas à savoir. Et oui, on entend bien une plainte de l'enfant. Encore l'enfant qui revient régulièrement dans cette maison. Qui a besoin d'aide. Mais regardez la suite. Concentrez-vous bien sur le voltmètre de ma Ghost Box. L'enfant va se charger d'énergie. Regardez la réaction du voltmètre. Ça sera signe que l'entité va se charger. L'enfant va charger l'énergie pour communiquer avec nous. Je vous laisse regarder. La fontaine m'appelle, cette Ghost Box, hein, en ce moment, je n'ai même pas terminé. Non, mais elle vient filer. On a une baisse soudaine de voltage. En fait, c'est passé à 7, le voltmètre. Regarde. C'est en train de purger l'énergie. Ils l'ont vu, les gens, que c'était allumé, le voltmètre, à l'instant? Il me semble. C'est en train de purger l'énergie, regarde. Vas-y, viens, purge l'énergie qui est là. Continue. Vas-y. N'aie pas peur. Vas-y. Regarde. Approche. Vas-y. Purge l'énergie. Vas-y. N'aie pas peur. Là, je te dis que si on capte une voix, c'est purement PVE, parce qu'il n'y a plus d'antenne, il n'y a plus rien, là. Tout a été arraché. J'ai dû l'arracher sans me rendre compte lors d'une investigation et j'ai pas regardé. Et là, ils l'ont vu que ça s'est éteint, que ça s'est rallumé. Ah oui, j'étais dessus. Oh bah c'est génial. L'entité, c'est carrément nourri de l'énergie, tu vois. Vas-y, amuse-toi avec nous, fais sonner la boîte. Fais sonner la petite boîte de l'autre côté. On t'entend marcher.
T'as vu, ça bouge. Ouais. 7-6. Alors, pour vous expliquer, de toute façon, vous le verrez par vous-même, par les images, et vous l'entendrez. J'ai le voltomètre qui bouge constamment. Mmh. Vous l'avez vu vous-même, à un moment, l'entité a purgé l'énergie totale du voltomètre. J'espère que ça a bien filmé. Et le voltomètre s'est rallumé. C'est signe qu'une entité est en train de purger l'énergie. Et là, elle passe de 7.6. 7. Regarde, tiens, viens filmer pour qu'ils voient, les gens se rendent compte. Je sais pas s'ils le voient avec le night shot, si. Tout à l'heure, c'était remonté à 8. Hein? Tout à l'heure, c'était remonté à 8.3. Ouais. C'est comme si l'entité purgeait un peu d'énergie, tu vois. Elle n'est pas complètement sur la ghost box, elle est au loin, elle se méfie. Et elle purge un peu d'énergie, que tout à l'heure, ouais, elle était en plein dessus, tu vois. Est-ce que ton papa est là? Le même mètre bouge pas, on est à 0.0, on n'a pas entendu sonner. J'ai besoin à savoir si tu as besoin d'aide, si tu as besoin qu'on t'aide. Je sais que tu es là puisqu'on t'a entendu nous répondre tout à l'heure quand on a été dans ta chambre. On a entendu un oui très clair. C'est un oui d'enfant ou d'adulte pour toi? Enfant. On sait que tu es là. Manifeste-toi, fais un bruit si tu as besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un t'empêche de faire du bruit? Réponds-nous par oui, s'il te plaît, comme tu l'as fait tout à l'heure. Si quelqu'un t'empêche de faire du bruit, réponds-nous par oui. Peux-tu faire bouger la porte comme tu l'as fait la dernière fois? Fais bouger cette porte, s'il te plaît. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher l'autre ghost box, qui est une ghost box à scan linéaire, qu'on va brancher sur un préampli, on va se servir de réverb. Et on va l'essayer dans ma chambre. Écoute, Alex, ça fait plusieurs fois que j'entends comme un porte-clés, en fait. Et là, je l'entends à ma droite. J'espère qu'on le captera. Je sais pas si t'as entendu. Ça fait comme des petites clochettes, mais c'est comme un porte-clés, tu sais, que quelqu'un aurait au poignet. Ouais. Je veux dire, à la ceinture. Là, on entend les cloches d'un clocher plus loin. Je te dis, j'entends comme des petites clochettes. Toi, t'as pas de porte-clé sur toi qui pourrait faire du bruit comme ça. Qui pourrait faire un faux positif. Non? Non, t'as rien. Et j'entends, tu vois, comme si quelqu'un avait un porte-clé attaché et qui marche. Et là, j'ai entendu à ma droite, par là. Purger dans mon énergie, dans mon canal, pour vous manifester s'il le faut. Mais manifestez-vous, avez-vous besoin d'aide? T'as entendu? Il y a quelque chose qui a couvert ma voix. Mais manifestez-vous, avez-vous besoin d'aide? T'as entendu? Il y a quelque chose qui a couvert ma voix.
Et oui, on touche au but. Là, quand je demande à cette entité, à cet enfant, s'il a besoin d'aide, je lui demande de se manifester. Et quand vous réécoutez le fameux PVE qui couvre ma voix, c'est bien le gémissement de l'enfant qui se manifeste à moi pour me dire « aide-moi » en quelque sorte. Rassurez-vous, à l'heure où je vous parle, la purification, un canal de lumière a été ouvert. Mais ça sera le sujet d'un autre épisode. Car je suis revenu une seconde fois pour faire ce canal de lumière. Certaines personnes improvisent comme ça des purifications. Mais une purification, ça ne s'improvise pas. Ça se fait avec ses tripes, son cœur, son âme. Il faut s'ouvrir. Si vous le faites bêtement en récitant des prières, des choses que vous avez lues quelque part, des choses que vous avez lues sur internet ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas un travail approfondi, un travail de fond, une investigation, l'entité partira pas d'elle-même comme ça. Je souhaiterais dire et passer un message à certaines personnes qui viennent faire des investigations dans cette maison. S'il vous plaît, arrêtez d'y aller. C'est fini. L'enfant est reposé. L'enfant est parti. Arrêtez de déranger dans cette maison, car elle appartient à un propriétaire. Laissez-le tranquille. Il sera en paix pour rénover sa maison. Il n'y aura plus de manifestations paranormales. Je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et surtout l'amour. Diffusez l'amour autour de vous. C'est primordial. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun ? Ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wikop.org dans leur vie quotidienne. Wikop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wikop.org, nos affaires ont bien progressé. Wikop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wikop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.